Ok, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de la plateforme maladies rares Plémara. Nous devons être à la cinquième ou sixième petite conférence dans ce format-là qui permet sur un temps court d'aborder les problèmes transdisciplinaires qui sont communs aux différentes maladies rares. Le webinaire qu'on va démarrer là tout de suite porte sur l'intrication, enfin les manifestations neuropsychiatriques des maladies rares du métabolisme héréditaire. Et nous avons rassemblé les meilleurs experts de la maison pour vous en parler. Vous verrez qu'ils sont multidisciplinaires puisqu'on aura le docteur Doblard qui est donc un pédiatre et qui pilote le centre de référence des maladies rares du métabolisme de l'enfant et de l'adulte. Nous rejoindra, elle est dans le métro, le docteur Valérie Canva, qui est hépatologue et qui est dans le centre de compétences des maladies de Wilson à l'hôpital Hurier. Et puis, la troisième présentation à deux voix sera faite sur les manifestations neuropsychiatriques révélatrices des maladies métaboliques. Beaucoup de ces maladies peuvent se révéler, vous l'apprendrez, par des manifestations très atypiques qui vont participer à l'errance quelquefois du diagnostic, puisqu'on part sur d'autres diagnostics, d'autres explorations, et vous verrez comment s'y retrouver en pratique, comment on peut le faire. Et donc, nous avons une neuropédiatre, le professeur Caroline Moreau, qui est aussi centre de compétences à maladie de Wilson, et puis le docteur Ali Ahmad, qui est psychiatre. Donc, vous voyez, un hépatologue, un pédiatre, un neurologue et un psychiatre, on aura bien le tour de la question. La formule, c'est donc d'enchaîner trois présentations courtes de 20 minutes et de vous laisser des 20 minutes de questions générales qui peuvent être posées directement par le chat ou aussi, évidemment, en levant le doigt, on va essayer de suivre ça en direct. C'est quelquefois plus vivant de les poser en direct. Et nous organisons cette manifestation et ce webinaire avec le soutien du laboratoire Orphalan, que je remercie de son soutien à cette activité de notre plateforme. Voilà. Donc, on peut peut-être, sans plus tarder, j'ai mis deux minutes, c'est pas mal, hein, on peut peut-être commencer par Brice sur, du coup, les maladies métaboliques. Donc, on va partager l'écran. Dites-nous s'il y a la moindre difficulté pour les voir. Marie-Laure nous assiste et je la remercie aussi de son investissement dans ce projet. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Un petit oui, une petite main, quelque chose qui nous permette d'être sûr que tout le monde voit bien. Monsieur Beauval a son micro qui est ouvert un petit peu nous répond. Monsieur Beauval qui a son micro ouvert, vous pouvez nous dire si vous voyez bien le diaporama. Alors, nous on entend. Je ne sais pas, j'ai peut-être raté tout ça pour rien. Ah voilà, oui, on voit. Parfait, allez, c'est parti, vas-y. Merci beaucoup, Driss. En plus, Farid qui a réagi. Bonjour à toutes et tous. Merci, Frédéric, pour l'invitation. Merci à Plémara de nous donner l'occasion. Comment ça me dit beaucoup? Ouais, okay. Donc, merci encore. Je coordonne le centre de référence. On m'a demandé de parler en fait des manifestations psychiatriques et neurocognitives dans les maladies héréditaires du métabolisme. Effectivement, c'est bien décrit qu'ils existent. Pour cette présentation, je me suis basé essentiellement sur deux articles, parmi d'autres, mais voilà. Il y a un premier article qui est apparu en 2020 sur une cohorte lilloise avec la collaboration avec l'équipe de Renaud Jarry, qui est professeur en pédopsychiatrie. Et il y a un deuxième papier, et donc essentiellement sur l'enfant. Deuxième papier, plutôt côté adulte, qui a été fait par l'équipe de Frédéric Sedel, qui est à la base métabolicien aussi, avec Caroline Demély, qui est psychiatre.
Donc, en gros, le papier de François Metzger avec donc, Renaud Gerbry a pris une cohorte de 62 patients liés au centre de référence des maladies héritaires du métabolisme de Lille. En fait, ils étaient intéressés par une thèse de médecine par Muriel Hister, qui avait pris la cohorte des patients de Lille avec toute présentation psychiatrique tout le long. Donc, ils ont repris ces patients-là et on a essayé de l'aborder avec une approche translationnelle, c'est-à-dire que voilà, on va voir les signes cliniques et puis les signes psychiatriques et afin d'essayer de comprendre mieux le spectre complet du phénotype de maladie métabolique. Après, le but étant aussi d'essayer de donner des astuces des médecins de première ligne qui voient des patients ou des enfants avec des troubles psychiatriques afin de mieux orienter dans le diagnostic différentiel. Et ce papier avait également au but d'essayer de détecter aussi précoce les maladies métaboliques que possible, parce qu'il y a, comme vous allez voir, dans la maladie de Wilson, il y a quand même des traitements qui peuvent être possiblement salvateurs. Et c'est toujours mieux de les détecter le plus précoce possible. L'équipe de pédopsychiatrie a utilisé deux méthodes que moi je ne connaissais absolument pas. Et donc, c'est le code DSM-5, donc Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders Classification, qui a permis de dépister trois clusters psychiatriques. Et il y avait le côté neurocognitif, et on a permis, qui nous a permis de définir deux clusters neurocognitifs. Tout ça, c'était le lien entre l'âge du diagnostic et l'âge moyen d'apparition de signes psychiatriques. Donc, quels sont les signes avant l'âge du diagnostic, lors du diagnostic ou après? Et donc, voilà les patients, mais ça, je peux aller vite. Donc, c'est tous ces patients qui ont été diagnostiqués entre 1994 et 2010. Donc, vous voyez, il y a des cycles de durée, des hyperammonémies en axe, le Wilson, homocystinurie. Bon, je ne vais pas tous les citer. Vous voyez le nombre de patients dans cette petite cohorte et vous voyez le pourcentage des symptômes psychiatriques dans cette cohorte. Bien sûr, cette étude a ses limites. Tout d'abord par la petite cohorte, mais aussi par le fait que c'est tout blanc au niveau héréditaire, c'est-à-dire c'est autosomique récessif, autosomique dominant, et ça peut être également lié à l'X comme le déficit en anxiété ou comme la leucodystrophie liée à l'X. Donc c'est un tout petit peu biaisé. Et là, je ne sais pas comment. On va remonter la première dépôt. Oui. Voilà, on remonte un peu. Voilà, merci. C'est ça. OK. Donc, simplement, ce petit diapo pour vous dire que l'âge d'apparition des signes psychiatriques et non psychiatriques, il n'y a pas vraiment de différence. C'était dans cette cohorte, aux alentours de l'âge de 5 ans. Ici, on voit que deux tiers, les patients masculins sont beaucoup plus atteints. Beaucoup plus fréquemment atteint de signes psychiatriques par rapport aux femmes, mais ça peut être également en lien avec le fait qu'il y a pas mal de pathologies liées. Donc voilà, c'est un tout petit peu biaisé. Mais bon, ce n'était pas le diapo le plus important, et surtout le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt les deux diapos suivants. C'est-à-dire, donc là, c'est la classification DSM-5. Ils ont utilisé cette classification sur plan nosologique pour voir par rapport à l'âge de diagnostic quels étaient les signes psychiatriques avant, lors du diagnostic ou après. Donc, on peut dire que c'était plutôt avant l'âge de diagnostic. Qu'est-ce qu'on peut voir comme signes psychiatriques? Et ben, c'est le manque de
d'attention et de troubles impulsifs, comportements agressifs et perturbateurs, des problèmes de sommeil et surtout aussi des psychotropes qui sont utilisés où on voit des réactions soit aberrantes, soit ils échappent avec une efficacité complètement inverse à ce qu'on attend. Contrairement à donc, le troisième cluster, c'est après l'âge de diagnostic, donc c'est la ligne ici, c'est surtout des troubles dissociatifs, genre psychose, et des troubles alimentaires, tout venant. Après, il y a une troisième cluster qui sont plutôt en mode bimodal, c'est-à-dire ça peut être avant, lors ou après le diagnostic. Et ça, c'est un tout petit peu plus compliqué pour faire le rapport avec l'âge de diagnostic. C'est les pensées et les comportements répétitifs, surtout une fluctuation des symptômes. Et là, je peux vous raconter un petit cas clinique, peut-être. Et des délires, instabilité émotionnelle et hallucination visuelle. Fluctuation des symptômes, par exemple, c'est-à-dire le cycle de l'urée qui sert à détoxifier notre corps de l'ammoniac qui est neurotoxique en urée qui est non neurotoxique. Et parfois, les patients, quand ils mangent des régimes trop riches en protéines ou quand ils sont infectés, tout état catabolique, etc., etc., ils peuvent monter leur ammonémie et ils peuvent effectivement soit se dégrader vers un état désastreux, voire même coma et mort, soit ils peuvent se remettre plus doucement. Et également, ces gens-là, ils présentent parfois des goûts des aliments très riches en protéines et parfois c'est pris pour des symptômes psychiatriques. Voilà. Bon, bref, ceci à côté. Mais donc, ça veut dire fluctuation des symptômes, comme par exemple dans le cycle de l'urée. Diapo suivant montre les clusters neurocognitifs. Et là également, donc ça c'est l'âge de diagnostic. Qu'est-ce qu'on voit avant avec cette classification nosologique, avec donc le RDOC? On voit plutôt avant le diagnostic une absence de capacité d'accepter les récompenses différées. Ça c'est le système de valence positive. Ils ont du mal à gérer quelconque frustration et ils ont des problèmes de contrôle exécutif qu'on peut voir avec l'échelle de Wechsler. Après l'âge de diagnostic, on rencontre plutôt des problèmes de reconnaissance des émotions, genre psychose en soi. Donc vous voyez, c'est assez diverses. Ce qui est intéressant dans ce papier-là, c'est la première fois qu'on a essayé quand même de voir le rapport avant diagnostic, lors des diagnostics, après les diagnostics. Mais effectivement, peut-être le message clé, c'est que un tiers de ces patients, de ce groupe, 62, c'est pas beaucoup, mais quand même, un tiers était présent d'une façon isolée, c'est-à-dire sans autre symptôme viscéral. Et le délai diagnostique, c'est des mois surtout. Ça peut être des même années. Des années. Des années. Donc le deuxième papier, c'est le papier donc de l'équipe de Frédéric Seidel, qui est donc métabolicien adulte, qui malheureusement travaille plus dans le métabolisme, mais bon, donc qui avait fait biblio, et les case reports, et les séries. Et il a pris l'ensemble et il a décrit donc les manifestations psychiatriques qui sont vues dans les maladies. Et ça, c'est très important, traitable de l'adulte. Donc voilà, parce qu'il existe pas mal de symptômes psychiatriques dans les maladies qui malheureusement ne sont pas traitables. Ce n'est pas le cas ici. Donc initialement, dans la littérature, c'était décrit pas mal de psychose, mais il n'y a pas que ça. Et donc, il a distingué trois groupes de maladies à présentation aiguë, comme par exemple le cycle de l'urée,
Les maladies chroniques traitables, comme vous allez voir tout à l'heure, la maladie de Wilson, et des maladies chroniques plutôt difficiles à traiter, c'est-à-dire des maladies de surcharge lysosomale, genre mucopolysaccharidose et autres. C'est ça? Oui, c'est bon. Okay. Donc, dans son papier, il distingue des groupes schizophrénie, des psychoses atypiques, inébriété, des troubles bipolaires, des troubles de personnalité. Donc, vous voyez, il y a pas mal de diagnostics métaboliques. Vous les voyez toutes ici. L'un est plus facile à traiter que l'autre, mais ils sont a priori toutes traitables, plus ou moins. Donc, il y a des accès en aigu, mais il y a aussi des formes chroniques. Voilà pour ce qui est de l'adulte. Après, Frédéric Sedel, il présente comme investigation devant donc troubles psychotiques, donc bien sûr un examen clinique qui est assez exhaustif. Par exemple, une hémiplégie qui peut se présenter avec une paralysie oculomotrice verticale. C'est assez pathognomique pour le niveau de type C. Donc, un examen clinique qui est quand même assez important et assez crucial. Après, le laboratoire standard, je ne vais pas survoler tout, donc vous pouvez le lire vous-même, la glycémie, etc., etc. Et puis après, une IRM, un examen cardio avec un ECG. Après, quand il y a des symptômes aigus, vous avez toujours le droit de faire l'ammonimie et l'homocystéine devant des troubles psychiatriques en aigu. C'est bien connu. À la recherche de cyclothyroïdie, à la recherche de troubles de reméthylation, à la recherche de homocystinémie, etc., etc. Après, avec des symptômes chroniques, avec donc les troubles psychiatriques sans déficit intellectuel, pareil, ammonimie, homocystinémie, cet examen ophtalmologique dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre autres, je dis pas, écho-abdo, et puis après, dans la maladie de Wilson, mais bon, je ne vais pas entrer dans le détail, vous allez entendre tout cela tout à l'heure. Après, dans les symptômes chroniques avec déficit intellectuel, la même chose, si c'est normal, on rajoute la chromatographie des acides aminés sanguins et urinaires, une IRM spectroscopie qui permet de suivre les métabolites en intracérébral. Voilà, je crois que, en conclusion, il est important de faire le diagnostic d'une maladie héréditaire du métabolisme, comme je vous ai dit, dans notre petit cohorte de 60, c'était comme un tiers qui précède le diagnostic, donc le plus tôt possible, parce qu'il y a possiblement un traitement derrière, un transfert vers un centre de référence pour le traitement, initier le traitement spécifique au plus vite possible, ça peut éviter une dégradation progressive, et puisqu'on s'occupe des maladies héréditaires du métabolisme, un encadrement génétique avec les arbres généalogiques et éventuellement le diagnostic prénatal si nécessaire. Je vous remercie et je passe la parole à Valérie. Ouais, Valérie, alors du coup, on va donc, comme prévu enchaîner les présentations. Donc notez bien, vous pouvez déjà les mettre dans le chat et on reviendra les voir, mais retenez vos questions. On va dérouler cette présentation. Donc on a vu comment les maladies métaboliques. Héréditaire du métabolisme par des manifestations cognitives et psychiatriques. La maladie de Wilson, on a déjà vu, représente une de ces maladies phares et traitables, comme le disait Chris. Et donc le docteur Canva, que j'avais présenté avant son arrivée, qui était hépatologue et travaille dans le centre de compétences de maladie de Wilson, va nous faire un point d'actualité sur cette maladie qui finalement a pas mal bougé dans son diagnostic et son traitement. Ouais, voilà, ces dernières années. Merci Valérie.
Merci Frédéric, désolée pour ce petit retard. L'idée de faire, vous parlez des titres des diapos, de faire une petite mise au point sur la maladie de Wilson, donc deux mots de physiopathologie. La maladie de Wilson, on l'a évoqué déjà dans le. Fabrice l'a évoqué, une maladie génétique et de transmission autosomique récessive et qui est liée à la présence de mutations sur le gène, sur le chromosome 13 et au niveau du gène APT7B, de mutations et qui code pour une protéine qui va participer au transport du cuivre au sein de l'hépatocyte. Donc, cette protéine ATP7B, elle permet l'incorporation du cuivre dans la cérébroplasmine et son excrétion en fait, vers la ville. Donc, la rupture de ce mécanisme va être responsable d'une accumulation du cuivre dans un premier temps dans le foie et ensuite en extra-hépatique. Deux mots d'épidémiologie. Donc, on a quelques données. Alors, c'est une maladie quand même relativement sur laquelle il n'y a pas énormément de données avec la littérature médicale, mais des données qui sont parfois un peu vieillottes. Mais j'ai opposé sur la diapositive les données de prévalence dans le monde et en France. Donc, en fonction de la région du monde dans laquelle on se situe, la prévalence n'est pas la même. Et en gros, ça va d'une fourchette de 12 à 25 cas par million d'habitants. Et une étude plus récente qui avait été faite en France retrouvait une prévalence de 1,5 cas pour 100 000 habitants, donc 15 cas pour 1 million d'habitants. En ce qui concerne, donc ça c'est la prévalence clinique de la maladie, en ce qui concerne le portage hétérozygote, sur les cas observés au niveau mondial, c'était évalué à 1 sur 90. Retrouvé dans une étude française qui a été publiée par Olivier Pougeois, une prévalence de 1 sur 31 et on estime en France qu'on a à peu près entre 700 et 1800 cas de maladie de Wilson. Alors pourquoi ces différentiels d'expression de prévalence entre les manifestations cliniques et puis la fréquence génétique? D'une part, il y a une variabilité de l'expression clinique de la maladie, une pénétrance incomplète de cette anomalie génétique et probablement la présence de gènes modificateurs qui viennent participer à l'expression plus ou moins forte de la maladie. L'histoire naturelle, alors il y a trois, les deux, on a eu l'habitude de dire que la maladie de Wilson ne se diagnostique plus au-delà de 45 ans. Ça reste en gros vrai, mais vous voyez qu'il y a quand même à peu près 10% des patients chez qui le diagnostic est fait au-delà de l'âge de 41 ans dans cette étude. Donc, je pense que c'est probablement un diagnostic peu fréquent, mais qu'il faut quand même garder à l'esprit et évoquer devant une maladie chronique du foie, d'une part, et a fortiori si elle est associée à des troubles neurologiques, parce que ça, cette association est plus marquée, vous voyez, quand les personnes vieillissent. Et c'est assez logique parce que c'est lié justement au métabolisme et à l'accumulation première du cuivre dans le foie. Et donc, l'expression hépatique de la maladie est souvent plus précoce que les manifestations neurologiques. Et vous voyez qu'on a un croisement en fait, de la représentation des manifestations cliniques donc, au fil du temps. Et au-delà de 18 ans, ce sont avant tout des manifestations neurologiques qui sont le moyen de diagnostic. Ce qui est important, et ça a déjà été évoqué par vous tout à l'heure et questionné par Frédéric, c'est le retard diagnostique de ces maladies, qui est plus important, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que Caroline va le faire, de 44 mois face aux manifestations neurologiques après le début des symptômes et de 14 mois sur les manifestations hépatiques. Donc, sur cette diapositive-là, bon, il y a une petite migration du foie là, qui est mise à gauche, donc plutôt là, normalement. Je pense que tu comprends pour lui sans doute. C'était un peu tard. Situs inversus. Oui, voilà, c'est un situs inversus. Donc là, en fait, on a pas mal de manifestations cliniques dans la maladie de Wilson, donc un pléomorphisme clinique avec des manifestations hépatiques qui sont assez classiques aux maladies chroniques du foie, donc généralement peu symptomatiques, une hépatomégalie. Une révélation soit aiguë, soit chronique. Donc, les formes chroniques, c'est l'évolution vers la cirrhose qui peut être compensée, décompensée. Et on a aussi, comme dans certaines, je ne sais pas si fréquent finalement que ça dans les maladies chroniques du foie, mais parfois des tableaux initiaux qui sont des hépatites aiguës et parfois extrêmement sévères avec des hépatites fulminantes qui peuvent amener à la transplantation, j'en parlerai après. On a les manifestations neurologiques que je n'ai pas détaillées, Caroline le faisant. Et puis, vous voyez qu'on a un certain nombre d'atteintes qui peuvent être identifiées, donc des atteintes rénales avec des tubulopathies.
on a des atteintes cardiaques avec des cardiomyopathies, des troubles du rythme, des atteintes hématologiques, notamment l'anémie hémolytique. Et c'est un signe assez classique, hein, d'une hépatopathie chronique avec une anémie hémolytique, ça doit faire évoquer le Wilson. Des atteintes osseuses et articulaires, qui sont souvent plus tardives. Et puis, sur le plan, une aménorrhée, j'ai revu une patiente commune avec Caroline hier, elle a une aménorrhée depuis 4-5 ans dont elle me parlait hier. C'est pas très pratique. Alors, quand on a une suspicion de maladie de Wilson, sur les arguments cliniques et l'idéologie, enfin, l'idéologie sur laquelle je reviendrai, mais sur, si on évoque cette hypothèse, il faut l'étayer. On a un certain nombre d'éléments pour le faire. La recherche d'un anneau de Kaiser-Fleischer, hein, qui est une assez pathognomonique, est constant dans les formes neurologiques, mais qui n'est pas constant dans les atteintes hépatiques. Donc, son absence ne doit pas faire formellement écarter le diagnostic. L'imagerie cérébrale, éventuellement, dès lors qu'il y a des manifestations neurologiques, l'IRM est toujours pathologique. Et autrefois, on ne fait plus aujourd'hui, on avait recours à la biopsie hépatique parce qu'elle permettait d'avoir un dosage intra-hépatique du cuivre qui était considéré comme pathologique au-delà de 250 microgrammes par micromol par gramme de foie sec. Alors, la biopsie, elle peut avoir son intérêt pour évaluer la fibrose et éventuellement mettre en évidence des quelques d'autres symptômes, enfin, d'autres signes comme la microstéatose qui peuvent être des éléments d'orientation, mais on en a plus vraiment besoin aujourd'hui. Et puis l'autre chose, c'est celui de la biologie. Et voilà. Et donc, on va pouvoir céder des marqueurs du bilan du cuivre, donc le dosage de la sérotestine, qui, dans la maladie de Wilson, n'est pas un peu en dessous de la norme, mais elle est soit effondrée, soit très basse. La cuprémie totale, qui est basse également, la cuprémie des 24 heures, qui va être augmentée, le cuivre intra-hépatique, si on fait la biopsie hépatique, je vais peut-être vous refuser plus. Quasiment pas, et des éléments plus récents, donc comme le cuivre échangeable et surtout le rapport, ce qu'on appelle le REG, donc qui est le ratio du cuivre échangeable sur la cuprémie totale. Et dans les formes extra-hépatiques, le cuivre échangeable est toujours supérieur à 2,08 et le REG à ce moment-là supérieur à 18,5%. Il est aussi corrélé à la gravité de l'atteinte extra-hépatique. Donc, on dose désormais. Alors, j'avais eu une discussion, je ne sais plus, avec un biologiste qui me disait que ça allait, on allait pouvoir avoir. Mais en ligne, il y en aura. Ça va arriver. Voilà. Donc, il y aura un commentaire d'un spécialiste sur ce point, donc ça sera bien mieux fait que par moi. Il y a la problématique du lieu de réalisation et de la prise en charge pour les patients. Donc, le REC, comme j'ai évoqué, c'est le ratio du cuivre échangeable sur la cuprémie totale. Donc, c'est un biomarqueur intéressant. Donc, s'il est supérieur à 18,5%. Sa sensibilité et sa spécificité sont proches de 100%. Ça permet de faire un screening des patients entre les porteurs sains et les malades. Et ça peut aider au diagnostic différentiel des autres hépatopathies chroniques. Et je l'évoquais tout à l'heure, donc le cuivre échangeable est un marqueur, s'il est supérieur à 2,08, de la sévérité de l'atteinte extra-hépatique. Pour céder dans le diagnostic, donc on peut avoir recours à l'analyse, à l'étude génétique, donc à la recherche des mutations causales. Donc il y a plus de 900 mutations qui sont décrites, mais la recherche des mutations causales, soit par des techniques classiques de séquençage, soit plus volontiers aujourd'hui par les techniques de NGS qui permettent de séquencer la totalité des régions codantes, la région promotrice, voire les régions non codantes du gène ATP7B qui est concerné dans la maladie de Wilson. Et ce dépistage, cette étude génétique va s'intégrer aussi dans le cadre d'un dépistage familial. Dans la fratrie, devra être systématiquement proposé à la fratrie, qui a un risque d'impact de 25%, soit sous la forme d'une homozygocie ou d'une hétérozygocie composite, dépistage des parents, des oncles et tantes, cousins, cousines, et pour les enfants de plus de 3 ans, pour permettre de diagnostiquer des formes non cliniques et non, ne s'exprimant pas encore, afin de traiter tôt et d'éviter les complications parfois sévères de l'accumulation du cuivre au long terme. Alors là, je suis désolée parce que ça ne passe pas bien. Donc, son résumé sur ces, mais je vais y revenir après de manière un peu peut-être plus claire, plus lisible surtout, les molécules à disposition. Donc, on a les collateurs du cuivre. Enfin, je pense que peut-être la projection est plus grande taille. Donc, vous devez voir, j'espère que vous voyez correctement. Donc, il y a les collateurs du cuivre dont le plus vieux représentant est la dépénicilamine et puis
la triantine sous la forme de H ou 4 2H ou 4H. Et puis, on a aussi le sulfate de zinc. Donc, ces molécules de zinc par voie orale et la proposition d'utilisation et de recours à ces molécules donc, qui ont été rappelées dans le dernier PNDS donc, de la maladie de Wilson qui a été publié en novembre dernier. Et donc, dès lors qu'on a posé le diagnostic de maladie de Wilson, soit on a un patient, alors pour les patients asymptomatiques, on peut leur proposer un traitement par sulfate de zinc. Mais par contre, si on voit apparaître des anomalies biologiques, hépatiques ou d'autres symptômes, le patient devient donc symptomatique et rentre dans une autre stratégie thérapeutique avec la mise en place dans un premier temps d'un chélateur et qui va être en première intention la dépénicillamine. Et si d'aventure on avait une intolérance qui peut arriver de la dépénicillamine, on fera un switch au profit de la triantine. Et ça, c'est dans la prise en charge initiale. Au bout de quelques années de traitement et de bon contrôle de la maladie de Wilson, donc on passe en deuxième aspect du traitement qui est la phase d'entretien. Et donc, on peut proposer une modification du traitement au profit soit de la triantine, soit du sulfate de zinc. Et en cas d'intolérance à l'une de ces deux molécules, soit revenir à la molécule initiale, donc la dépénicillamine, soit croiser donc, pour la molécule qui n'aura pas été retenue, donc de la triantine au zinc ou du zinc à la triantine. Voilà. Donc, j'ai déjà un petit peu évoqué cette deuxième diapositive. Donc, la dépénicillamine en première intention. On aura tendance à éviter d'utiliser si on a des notions d'allergie à la pénicilline ou si on a une atteinte rénale. Et on discutera son utilisation en cas de trouble au pénis sévère. Et puis, si on n'a pas recours à la dépénicillamine, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on se dirigera vers la triantine. Et en maintenance, donc les molécules sur lesquelles je ne vais pas revenir, les switches potentiels. Ce qui est important dans la phase de maintenance, c'est de bien convaincre les patients de maintenir impérativement leur traitement tout le temps, et c'est un traitement à vie. Et donc, il faut avoir une grande vigilance sur l'observance au traitement, sur la tolérance, bien sûr, mais ça, c'est vrai pour tous les traitements. L'observance, c'est vrai aussi pour tous les traitements, mais particulièrement dans la maladie de Wilson, parce que la rupture thérapeutique peut avoir des conséquences dramatiques, j'y reviendrai après. Au fil du temps, donc on va contrôler plus ou moins régulièrement, mais donc c'est un minima deux fois par an le bilan du cuivre de manière à effectuer le cas échéant des ajustements thérapeutiques en fonction des résultats de la cuprerie des 24 heures et du cuivre échangé. Je mettais les résultats d'une étude qui a été publiée, c'était rapportée au Congrès américain des maladies du foie, donc à la SLD. En novembre dernier, qui, dans le cas du traitement d'entretien, il s'agissait d'une étude randomisée multicentrique de non-infériorité, donc comparer la triantine versus la dépénicillamine, donc sur un groupe de patients, donc de 77 patients adultes et traités depuis au moins un an en monothérapie par la dépénicillamine et avec une déposologie qui était stable depuis 3 ou 4 mois. Ces patients étaient traités 24 semaines et le principal critère de jugement, c'était le cuivre libre sérique. On voit sur cette diapositive qu'en termes de dosage du cuivre libre sérique, on a des résultats tout à fait superposables, que les patients soient traités par triantine ou dépénicillamine. Et en ce qui concerne l'expression urinaire du cuivre, on voit qu'on a des valeurs plus basses chez les patients traités par la triantine. Je pense qu'on aura peut-être des résultats complémentaires et définitifs de cette étude, soit à l'ESL en juin prochain à Londres, ou alors à l'ESLD en fin d'année 2022. J'ai oublié de retirer cette diapo qui était la première partie de l'étude, la publication à Londres en juin dernier. Voilà, je voulais revenir sur le traitement d'entretien et son observance. Donc la mauvaise observance au traitement chronique, c'est quelque chose de connu depuis longtemps. On sait que... ça peut être en partie expliqué par une lassitude vis-à-vis du traitement, des effets indésirables, mais aussi le fait que dans certaines pathologies, on n'a pas de symptomatologie, notamment les maladies hépatiques, de symptomatologie évidente. Et c'est vrai que le bénéfice du traitement n'apparaît pas forcément de manière aussi claire que la disparition de douleurs articulaires dans une colère fibromatoïde, par exemple. Donc, ça peut participer à la rupture thérapeutique et... dans une synthèse qui avait été faite, donc dans le cas de la maladie de Wilson, on retrouvait à peu près 45% de
mauvaise observance, qu'elle soit faible ou problématique. Il y a des périodes critiques dans ces mauvaises observances ou ces ruptures d'observance au traitement qui sont l'adolescence et puis parfois le relais du suivi pédiatrique au relais adulte parce que on perd des habitudes avec un praticien dont on avait qu'on connaît parfois depuis très longtemps et depuis très très jeune pour certains grands enfants devenant de jeunes adultes et ça peut être un élément un peu déstabilisant. Et là, donc, il est souligné l'intérêt du pied changeable pour évaluer l'observance. Donc, la rupture thérapeutique dans la maladie de Wilson, ça peut être associé à une aggravation, enfin, il y a un risque d'aggravation de la maladie qui est fort, dans des délais variables, parfois dramatiques avec des formes fulminantes qui ne répondent pas toujours à la reprise du traitement, chélateur, merci, et avec un risque de décès pour ces patients si on n'a pas l'opportunité de recourir à la transplantation hépatique. Et ça me permet de faire la conclusion avec ma dernière diapositive sur justement la place de la transplantation hépatique dans la maladie de Wilson. Donc, dans l'atteinte hépatique, c'est assez simple parce que soit on a une cirrhose décompensée, soit une révélation aiguë à l'occasion d'une hépatite fulminante, soit inaugurale, soit lors d'une mauvaise observance au traitement, une rupture thérapeutique. Les résultats de la transplantation hépatique sont très bons, avec une survie à 5 ans de 87%, comme pour la majorité des indications de transplantation hépatique. On pourrait en théorie avoir des indications de carcinome hépatocellulaire pour aller à la transplantation, mais ce sont des patients jeunes qui souvent n'ont pas le temps de développer cette complication. Et ce qui est plus intéressant, c'est la place de la transplantation hépatique dans la prise en charge des formes neurologiques. Et donc là, il y a une étude française qui porte sur 18 patients avec un suivi moyen de 6 ans. Qui avait donc une aggravation neurologique malgré un traitement maintenu depuis, pris correctement, un traitement chélateur, et avec un retentissement majeur de cette atteinte neurologique. La survie chez ces patients est un peu moins bonne que dans les indications hépatiques, avec quand même de 72% à 3 et 5 ans, ce qui est plutôt bien, je trouve. Et le risque de décès est corrélé essentiellement, comme pour toute transplantation, au sepsis sévère au moment de la transplantation, et au fait que les patients soient admis en secteur de soins intensifs avant, dans le mois précédent de la transplantation hépatique. Et il y a aussi un risque infectieux qui peut être majoré par le fait que ces patients, s'ils ont une atteinte neurologique sévère, peuvent être alités, ce qui augmente le risque de dénutrition et de complications infectieuses dans l'absolu. Et les marqueurs d'évaluation neurologique que je ne connais pas sont améliorés, et Caroline va en parler, dans cette étude de manière quand même très significative. Et donc, la transplantation hépatique peut être proposée dans les formes neurologiques extrêmes, pharmacorésistantes, et bien évidemment, après une décision collégiale en RCP national. Et j'avais prévu initialement de faire d'articuler tout ça autour d'un cas clinique, ça faisait trop de diapositives, mais je vais terminer donc en deux mots sur l'histoire d'une famille dont je voulais m'inspirer, que Frédéric connaît bien, et qui en fait résume quasiment tous les points de ce petit exposé. Donc, un patient que j'ai pris en charge à un nom de Frédéric parce qu'il était devenu jeune adulte, qui était le premier cas dans sa famille. Donc, c'était lui l'aîné, donc il y a trois frères et une sœur. Et donc, diagnostiqué à l'occasion, je crois que c'était d'une décompensation, d'une cirrhose. Traité, il allait mieux. Et puis, à l'adolescence, il y a eu une période de non-observance et il a fini par développer des manifestations neurologiques et psychiatriques qui ont amené la discussion et la réflexion par rapport à la transplantation hépatique, et il a été transplanté hépatique et il va bien sur le plan hépatique et sur lui il s'est amélioré sur le plan neurologique. Il a deux frères donc et une sœur qui ont été dépistés après on a fait le diagnostic chez lui, qui présente aussi des problèmes d'observance mais peut-être moins que l'aîné. Les deux frères sont grands, ils vont bien, et alors moi j'avais été assez interpellée par le fait que les quatre enfants avaient tous une maladie de Wilson. Et en fait, il s'avère que le papa s'est remarié avec la sœur de la maman de l'aîné. Donc, ce qui devient un petit cluster, c'est très tendance aujourd'hui. Mais voilà ce qui explique cette forte prévalence dans la famille. Et malheureusement, la petite sœur, c'était il y a 2 ans, je crois, a fait une interruption thérapeutique, donc est revenue à Jeanne de Flandre en pédiatrie dans un tableau de décompensation extrêmement sévère de sa maladie hépatique et qui n'a pas récupéré malgré la reprise du traitement et n'a pas pu faire l'objet d'une transplantation. Donc, malheureusement, cette petite sœur est décédée après une rupture thérapeutique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Valérie, de cette illustration. Donc, on va changer notre point de vue. On est par
partir des maladies métaboliques et la maladie de Wilson pour aller vers les manifestations cognitives et psychiatriques. Et maintenant, on va écouter et voir la position du neurologue Caroline Moreau et du psychiatre Ali Ahmad, en prenant le problème par l'autre côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi, je suis effectivement neurologue adulte, en fait, et je m'occupe habituellement des patients Wilson à l'âge adulte. Et là, j'ai choisi, avec mon collègue Ali, avec qui je travaille sur les problèmes psychiatriques des patients qui ont des affections des ganglions à base, de présenter un cas qui est un petit peu particulier, un cas remarquable, parce qu'en fait, c'est une jeune fille. Donc, je retrace son histoire parce que ça reprend vraiment tout ce qui a été exposé par Monsieur Doblard et Madame Canva sur la difficulté et sur les symptômes psychiatriques et les troubles du comportement qui sont présents tout au long de la maladie. Et aussi parce que c'est une forme qui, pour moi, était un peu inhabituelle. J'ai découvert cette patiente à l'âge de jeune adulte, mais en fait, en retraçant son histoire, c'est assez édifiant. Et du coup, j'ai voulu vous partager ce cas clinique et après l'avis de mon confrère sur le côté de la prise en charge psychiatrique. Donc, c'est en fait une jeune fille qui a été diagnostiquée à l'âge de 14 ans d'une maladie de Wilson. Elle a été la première diagnostiquée dans sa famille et dans sa fratrie sur un tableau de douleur abdominale. Il s'agit donc d'un Wilson d'abord hépatique, avec un diagnostic qui a été fait de manière très rapide, une confirmation génétique et une prise en charge thérapeutique qui a été effectuée à Jeanne de Flandre de manière extrêmement rapide. En fait, elle est rapidement évaluée de manière multidisciplinaire par nos collègues de neuropédiatrie. Elle présente des petits symptômes neurologiques avec une hémiparésie droite et un syndrome parkinsonien à nœud denté. Donc, on parlait des manifestations neurologiques du Wilson. Je n'ai pas fait un rappel, mais classiquement, les patients vont présenter des dystonies, donc dystonie axiale parfois très sévère, ce qui est évoqué dans les cas de pré-transplantation sur les patients qui ont des dystonies généralisées, parfois des dystonies du visage avec le fameux rictus sardonique et un syndrome parkinsonien avec la marche parkinsonienne. Et on peut aussi avoir chez les jeunes le tremblement d'attitude et d'action qui est dit en battement d'ailes d'oiseau assez particulier. Moi, je n'en ai vu qu'un seul et on a fait le diagnostic sur ce tremblement en battement d'aile d'oiseau. C'est quand même très beau, très bien décrit, mais c'est assez rare. Donc, je reviens à cette jeune fille. On voit que déjà, elle a des difficultés comportementales parce que quand on reprend son histoire après diagnostic, elle a un infléchissement scolaire depuis la cinquième, donc bien avant le diagnostic de la maladie de Wilson hépatique. Et ses parents signalent des troubles du comportement depuis la cinquième. Quand je vais les rencontrer bien plus tard et qu'ils vont m'expliquer, notamment la maman, les types de troubles du comportement, c'est ça qui est très interpellant, je vais y venir. Donc, elle a également des signes neurocognitifs puisqu'elle a un déclin cognitif sous-cortico-frontal avec des difficultés attentionnelles. C'est caractéristique de toutes les maladies qui touchent les ganglions de la base, des difficultés d'élaboration verbale, une diminution de l'affluence verbale. Et elle a également un syndrome dépressif qui est rapporté par la neuropsychologue. Alors, elle a des troubles du comportement alimentaire qui vont être très importants pendant toute sa maladie, parce qu'elle passe un peu d'un extrême à l'autre. Donc là, elle est dans un versant de surcharge pondérale. Ses parents décrivent une polyphagie depuis l'âge de 11 ans. Et en plus, malheureusement, elle adore le chocolat. C'est quelque chose qui est très difficile pour elle de se passer de ce type de sucrerie. Donc, c'est ensuite un conseil génétique qui est fait avec la seule atteinte de la fratrie est l'aînée. Donc, l'évolution, c'est année par année, donc une modification du comportement alimentaire avec des difficultés alimentaires et ce qu'elle rapporte comme boule dans la gorge, on va y revenir, et le comportement qui devient de plus en plus agité avec ce qu'a décrit le docteur Canva, l'observance thérapeutique à l'adolescence qui devient complètement erratique avec des périodes où elle ne prend pas le traitement, qui a un mauvais goût, il faut changer le traitement pour de la triantine, le suivi du régime est difficile et toujours cette surcharge pondérale. Alors, il n'y a pas de prise en charge spécifique des syndromes dépressifs, on y reviendra peut-être avec mon collègue, une IRM encéphalique au départ qui est jugée
normale. Elle présente également des complications secondaires à type d'aménorrhée traitée qui rentre dans l'ordre de manière transitoire. Puis face à cette surcharge pondérale, il y a un bilan du cortisol qui est fait, qui est normal. Donc des complications extra-hépatiques du Wilson. Ensuite, son tableau, j'ai envie de dire, s'aggrave avec une majoration des difficultés scolaires, un suivi qui est débuté en CMP, mais un décrochage scolaire qui s'annonce, des changements du traitement sont envisagés avec les équipes qui la prennent en charge parce qu'il y a une mauvaise tolérance et donc une mauvaise observance. La jeune fille, en fait, arrête ses traitements d'elle-même, refuse une prise en charge au niveau du centre expert. Et on a des troubles du comportement qui sont décrits par la famille de manière extrêmement douloureuse et violente. Donc, elle a sur un fond d'anxiété, d'apathie, des crises classiques extrêmement violentes, une impulsivité. Elle frappe sa mère, elle frappe ses frères et sœurs, elle est obligée, ils sont obligés d'appeler la police, elle est vue aux urgences et neuroleptisée, ce qui n'est pas forcément idéal quand on a une maladie des ganglions de la base, mais face à des états extrêmement sévères. Elle est ensuite prise en charge donc avec des passages aux urgences et des appels de la police. Tout ça conduit de manière dramatique, un placement de cette jeune fille en famille d'accueil pour suspicion de mauvais traitement, alors qu'en fait, a posteriori, il n'y a jamais eu de mauvais traitement dans cette famille, c'est juste une décompensation psychiatrique, enfin juste une dramatique décompensation psychiatrique de sa maladie suite à l'arrêt en fait, de ses traitements. Donc moi, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, c'était pendant la pandémie, elle avait été perdue de vue pendant 4 ans après un suivi qui avait tenté d'être repris à la Rivoisière suite à l'épisode judiciaire. Et en fait, elle est suivie… alors, j'ai coupé le son parce que… Elle est, on m'appelle parce que sa plainte, finalement, donc, est premièrement une patiente qui présente toujours énormément d'angoisse, de crise d'angoisse. Elle est assez immature avec pas mal d'impulsivité. Enfin, dans l'abord, elle décrit une angoisse avec vraiment l'idée que si elle reprend son traitement, ses symptômes neurologiques qui lui paraissent très, très graves d'un seul coup, alors que sa maladie hépatique est plus sévère que son problème neurologique. Elle a peur que cela s'aggrave et qu'elle puisse devenir, selon ses termes, vraiment handicapée. En fait, elle présente une toute petite dystonie oromandibulaire avec effectivement cette dysphagie qui est toujours présente et qui résulte de cette dystonie, cette atteinte un petit peu du carrefour qui est assez typique dans la maladie de Wilson. Et finalement, le traitement est repris, l'observance, je pense, est bonne. Je suis frappée quand j'examine la patiente. Donc là, vous voyez, on examine sa marge. Bon, elle a une potence, elle a une prise de sang et c'était en période Covid, donc c'était un peu compliqué. C'est un film que j'ai fait avec les moyens du bord. Mais finalement, quand on regarde son état moteur, il n'est pas si dramatique que ça, loin s'en faut. Elle marche bien, elle a un demi-tour. On étudie la stabilité posturale, les signes axiaux. Et en fait, il n'y a pas tant d'attente que ça. Finalement, sur le plan du visage, vous voyez, il n'y a pas de dystonie, il n'y a pas de syndrome cérébelleux. J'en profite pour vous montrer qu'on était passé d'une obésité à maintenant un poids qui est limite inférieur. Donc, elle est devenue quasiment anorexique, donc toujours des troubles du comportement alimentaire. Donc, ces crises d'angoisse qui sont itératives, décrites par la maman, ces crises classiques, avec la prise en charge qu'on a instaurée, la mise en route d'un traitement par IRS, il y en a encore, mais il y en a moins, mais elles existent encore. Et malheureusement, on a une jeune fille qui a plus de 20 ans, qui est complètement apathique, déscolarisée, qui n'a pas de projet professionnel et qui a des troubles du sommeil, elle vit complètement décalée, elle se réveille le midi, elle a du mal à s'organiser, il persiste toujours un trouble, un trouble cognitif sous-cortico-frontal important. Et finalement, c'est vraiment ces troubles psychiatriques qui vont beaucoup plus la gêner que son handicap moteur, qui finalement n'est pas si important que ça.
Je laisse la parole à mon collègue pour nous éclairer sur ces aspects psychiatriques. Merci, Caroline. Donc, moi, dans un premier temps, je voulais rappeler dans quel contexte on pouvait être amené à réfléchir à la maladie de Wilson en psychiatrie. Et rappeler que actuellement, les classifications internationales en psychiatrie, elles expliquent que pour faire un diagnostic de maladie psychiatrique, il faut que les symptômes psychiatriques ne soient pas imputables aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. Et c'est pour ça que la notion de diagnostic différentiel, elle est essentielle en psychiatrie. On considère environ 10% des patients qui auraient une autre étiologie qu'une étiologie purement psychiatrique à leurs symptômes. Et donc, les maladies héréditaires et du métabolisme correspondent à une de ces causes. Je suis confronté également à mon tour à cette petite flèche. C'est un test. Ah ouais, voilà. Et donc, on a la difficulté, c'est que des fois, parce que l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a des signes, des symptômes inauguraux qui peuvent orienter vers le diagnostic d'une maladie, une maladie du métabolisme. Parfois, il y a des symptômes atypiques, hein, donc je vais en citer un peu après, parfois c'est très discret. Il y a une des difficultés que je souhaite mettre en évidence, c'est que des fois les symptômes psychiatriques, ils évoluent pendant des années de façon isolée avant qu'on puisse imaginer que ce soit une maladie du métabolisme. Et à l'heure actuelle, c'est un challenge parce que c'est très difficile à diagnostiquer de l'autre point de vue, hein, du point de vue où on a les symptômes psychiatriques dans un premier temps. Mais quand on fait un repérage précoce, on change la trajectoire de vie d'une personne. Donc c'est un vrai questionnement, une vraie difficulté à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la maladie de Wilson et des aspects psychiatriques? Donc, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'il y a environ la moitié des patients qui présentent des symptômes psychiatriques au moment du diagnostic de la maladie de Wilson. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont diagnostiqués, ils ont des symptômes psychiatriques. Et quelque chose qui peut faire réfléchir, c'est qu'il y a 20% des patients qui ont une maladie de Wilson qui ont vu un psychiatre avant le diagnostic. Donc, 20%, c'est pas rien. Mais le challenge, c'est quoi? C'est que les symptômes psychiatriques, quand ils sont isolés, par un diagnostic de maladie de Wilson, ben c'est quasiment mission impossible. Alors, pourquoi c'est impossible? Parce que les signes psychiatriques qui sont présentés par ces patients, c'est des signes psychiatriques tout à fait habituels et sans particularité. Donc, c'est de la symptomatologie dépressive qui peut être parfaitement banale, de l'irritabilité, de l'impulsivité, de l'agressivité qu'on peut voir dans plein de contextes différents. Là aussi, ça peut être complètement banal. La désinhibition qu'on peut voir dans certaines symptomatologies, comme dans le trouble bipolaire, par exemple. Des changements comportementaux mal décrits, hein, parce que la littérature, c'est beaucoup de case series, de case reports, mais il n'y a pas beaucoup d'études ultra fines sur ces changements comportementaux ou ce qu'on appelle changement de personnalité. Alors, ce qui peut alerter, c'est un peu décevant, mais c'est quand on commence à mettre des traitements qu'il peut avoir une alerte, notamment les antipsychotiques, hein, avec un syndrome extrapyramidal qui peut être très massif à l'instauration de syndrome d'antipsychotiques, ce qui peut coller avec aussi d'autres situations. Hein, donc, c'est pour ça que c'est pas facile. Hein, Il y a des fois des types de patients qui ne supportent pas les antipsychotiques pour des raisons qui ne sont pas la maladie de Wilson, par exemple. Mais c'est des signes neurologiques associés qui peuvent mettre la puce à l'oreille, la dysarthrie, la dystonie, la cathysie, les tremblements ou d'autres troubles du mouvement. Alors, nous, notre politique et la façon dont on travaille à l'heure actuelle, c'est que dans certaines situations, on fait un bilan du cuivre de façon systématique. Donc on fait cuprémie, cufurie et céréoplasmine. Dans les situations de premier épisode psychotique, dans les situations de syndrome catatonique, je vais en reparler un peu après, et dans des situations de pathologie résistante comme la dépression ou la schizophrénie résistante. À l'heure actuelle, on n'en a jamais diagnostiqué, malgré ces approches systématiques, en essayant de circonscrire des situations particulières. On n'a jamais fait un primo-diagnostic de maladie de Wilson et d'autres maladies héréditaires du métabolisme. Alors, au cours de la maladie, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, le plus fréquent, hein, la comorbidité la plus fréquente, ou les manifestations psychiatriques les plus fréquentes, si on appelle pas cette comorbidité, c'est les troubles de l'humeur, donc avec la symptomatologie dépressive au premier plan, entre 20 et 60% des patients qui présentent la symptomatologie dépressive. Il y a une mortalité ou au moins une fréquence des tentatives de suicide qui est assez importante, hein, 4 à 16% des patients qui ont une tentative de suicide. Et ce qui est intéressant, c'est que la fréquence du trouble bipolaire chez les patients qui ont une maladie de Wilson, elle est plus élevée que dans la population générale, avec environ 15% de troubles bipolaires chez ces patients. Les symptômes psychotiques sont décrits comme plus rares dans la littérature, et ce qui est le plus fréquent, c'est en plus des maladies, de la symptomatologie dépressive, c'est les changements de comportement ou de personnalité,
Mais je vous dis, là, ça aussi, ça peut être complètement banal avec de l'irritabilité, de l'agressivité. Et ensuite, il y a beaucoup de stress report, hein, dans lequel on retrouve le cas présenté par Caroline à l'instant, avec des troubles du comportement alimentaire, hein, de boulimie ou de phase d'anorexie. Et après, tout le spectre psychiatrique peut être représenté avec des TOC, par exemple, des situations de syndrome catatonique ou d'hyperactivité avec déficit d'attention. En termes de prise en charge au niveau des psychotropes, la philosophie, c'est de respecter le foie tant qu'on peut en termes d'utilisation des traitements. Et donc, les traitements qu'on va utiliser, ça va être les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et on va éviter ceux qui peuvent aggraver ou interagir avec l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, tout ce qui va être traitement par tricyclique, agomélatine qui est arrivée plus récemment sur le marché, ou des IRSNA comme la duloxétine, ce n'est pas des médicaments qu'on va utiliser, on va plutôt utiliser des molécules assez pures comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et en cas de résistance, de sévérité, de situation très complexe, on privilégiera les proconvulsivothérapies. Dans le cas des troubles bipolaires, donc l'idée, c'est de ne pas utiliser les antipsychotiques chez ces patients quand on peut. Donc dans les troubles bipolaires, on évitera les antipsychotiques, on utilisera plutôt le lithium, les antiépileptiques, et les antiépileptiques en évitant le valproate. Si on est obligé d'utiliser des antipsychotiques, l'idée, comme dans la maladie de Parkinson, la maladie à Port de Lévy, c'est d'utiliser des molécules dites moins antidopaminergiques, comme par exemple la clozapine. Bon. Alors, quelques réflexions on peut avoir si on prend aussi du recul par rapport à la maladie de Wilson ou par rapport à la symptomatologie psychiatrique, c'est qu'on évoque souvent des signes d'atypicité. Des signes d'atypicité chez les patients, et c'est ça qui nous mènerait à faire le diagnostic de maladies métaboliques. Alors, je vous en cite quelques-uns qui ont été retenus. Je vois une question sur les hallucinations visuelles. Les hallucinations visuelles dans les maladies du métabolisme et qui ont une expression psychiatrique, l'idée, ce n'est pas juste qu'il y ait des hallucinations visuelles, parce que ça existe dans les pathologies psychiatriques en elles-mêmes. C'est qu'il y a plus d'hallucinations visuelles que d'hallucinations auditives. Ça, c'est quelque chose qui va nous mettre la puce à l'oreille. Le syndrome catatonique, c'est toujours cité. Mais moi, c'est quelque chose que c'est une de mes spécialités. Je n'ai jamais diagnostiqué de maladie métabolique. Je suis un patient qui a un syndrome catatonique. C'est pour ça que je dis qu'il y a un challenge et que je vais dire un mot par rapport à ça après. Les réactions paradoxales au traitement, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Là aussi, il y a plein de facteurs confondants. C'est ça qui est aussi très difficile. La confusion, qui est aussi associée à pas mal de symptomatologies psychiatriques classiques. Et la symptomatologie fluctuante, qui a été rappelée par le docteur Doblard avec des exemples très précis sur les maladies du cycle de donc il y a quelques algorithmes qui ont été proposés avec quand on est en phase aiguë, hein, l'ammoniémie, l'homocystéinémie, quand on est dans les situations chroniques, mais ça je vais pas reprendre ce qui a été présenté tout à l'heure, avec quelques filtres en fait qui sont proposés. Récemment, il y a une échelle qui a été proposée où si on présente tel ou tel symptôme, on a un score plus ou moins élevé et puis ça peut orienter vers une maladie héréditaire du métabolisme. En fait, moi, je trouve que le challenge, c'est qu'on va vers des diagnostics de plus en plus précis, avec des pathologies qui sont assez rares, et avec des symptômes qui sont pas, qui orientent pas, hein, pas vraiment vers une étiologie ou une autre. Donc, je pense que les développements biologiques vont être salvateurs dans les prochaines années, hein, sur comment on peut screener, comment on peut arriver à améliorer la situation. Mais actuellement, le rendement reste très faible avec les outils qu'on a. Donc, c'est un vrai challenge. Des fois, c'est l'expérience clinique, des fois, c'est du hasard, des fois, on les a par d'autres biais. Mais en tout cas, l'approche systématique, à l'heure actuelle, elle interroge sur son faible rendement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On a bien le temps là, de démarrer une discussion. Donc, n'hésitez pas à demander la parole ou sur le chat. Posez vos questions. Peut-être que en attendant que ça vienne, moi j'avais quelques peut-être commentaires et puis discussions. N'hésitez pas à l'enrichir. Peut-être sur le dernier point des manifestations neuro et psychiatriques du Wilson. Est-ce qu'un bête, je ne l'ai pas vu dans vos arbres décisionnels, mais ça va aussi pour Audrice, un bête dosage des transaminases. Même si le foie est au second plan, l'atteinte hépatique, elle est constante, en tout cas la surcharge
quasi constante. Quelques... Est-ce que c'est pas plus facile à faire que la culpeuserie? Comment? Le bilan hépatique, c'est quelque chose qu'on fait même hors situation de résistance, on le fait systématiquement dans les bilans d'entrée, hein, donc transaminase, on les a souvent. Après, c'est vraiment, on essaye de circonscrire certaines situations. Après, de toute façon, quand il y a des transaminases qui sont anormales, on va aller chercher la cause. Hein. Soit c'est de la iatrogénie, après, c'est souvent l'imputabilité. En fait, c'est quelque chose que c'est pratique. Mais... J'avais une autre question sur Wilson et chocolat. J'avais parlé du chocolat, moi, chez l'enfant. Le chocolat pour le gamin. Alors, les aliments riches en cuivre, c'est les abats, les fruits de mer, le champagne, le Bourgogne. Donc, en pédiatrie, ça va. A priori, ça va. Le chocolat, ça par contre, il y en a un peu moins dans le chocolat blanc, il y a quelques marques de chocolat moins riches. Et du coup, compte tenu de l'efficacité impressionnante quand même de ces médicaments chélateurs, quelle est votre politique en termes de poursuite d'un régime alimentaire, notamment le chocolat? Voilà. La question se posait, j'ai vu une de mes patientes suivie pour une maladie de Wilson, avec des parents extrêmement rigides. Le bilan est nickel, la cuprerie commence à baisser, le REC s'améliore, il y a une observance qui est parfaite, et ils sont toujours, elle ne va pas à la cantine, il y a un plan machin, parce qu'il s'est hors de question de manger du chocolat. Et du coup, le PNDS, il est plus ou moins flou là-dessus, comment vous faites? Tu t'en fous? Parce que tu n'as pas parlé, par exemple, du régime sans chocolat. Non. Alors, c'est vrai que je... Bah, le PNDS est assez flou et assez permissif d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas un point que j'évoque, mais peut-être à tort, systématiquement. Donc, je ne mets pas de contraintes. Et peu de patients m'en parlent d'ailleurs. Ils prennent la diète, ils sont mis sous régime, tes patients? Moi, je leur pose la question, mais en fait, déjà, le climat de confiance sur l'observance thérapeutique, j'aime bien que les patients soient honnêtes, en fait, et qu'ils me disent ils oublient leur traitement parfois. Ou, voilà. Donc, c'est plutôt une discussion qui est effectivement ouverte. J'ai une patiente qui est un peu en surcharge pondérale à laquelle je pense, qui me dit qu'elle aime bien manger des moules de temps en temps et qu'elle aime bien boire une bière de temps en temps et que voilà. Et qui est fort sympathique par ailleurs. Et donc, elle me dit que voilà, ils sont éduqués quand même. Elle a bien conscience de la nécessité de faire attention. Donc, voilà, après, effectivement, je ne suis pas le même rapport qu'en pédiatrie. Mais quand on leur pose la question, spontanément, ils ont tendance à dire qu'ils se connaissent et qu'ils font attention. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose quand tu viens en relais d'un malade équilibré, etc. C'est ce que souligne Caroline, c'est que le travail, vous l'avez fait, les pédiatres l'ont fait avant, globalement. Et les gens sont effectivement évoquent ça parfois en disant est-ce que je suis pas très, je suis comme Caroline, je trouve que c'est bien qu'ils soient dans un échange et un climat de confiance pour parler du point de l'observant. J'en ai plus c'est toujours beaucoup plus simple par ailleurs, mais je pense que c'est plus chez vous que ça se pose en fait la question de l'idée. Tu les mets sous le régime toi? Bon, au moins dans les phases d'induction, hein, ils sont bourrés de cuivre de partout. Hein, je veux dire que, et c'est recommandé. Mais après, je ne sais pas bien quand je relâche. Alors, il y en a qui relâchent sans me demander. Dans ces maladies chroniques, hein, c'est l'enfant dont je vous parle, qui a été pris en charge par une équipe de Toulouse avant de déménager dans le Nord, ils sont complètement obsessionnels. Et elle a 8 ou 10 ans de recul, elle a un bilan nickel et elle est toujours. Elle dit qu'elle a horreur du chocolat, donc ça tombe très bien. Mais tu vois, ils ont toujours une liste et elle va à la cantine que 3 fois par semaine alors qu'elle est lycéenne. Enfin, quelquefois, l'impact de ces trucs, alors les régimes, vous les utilisez beaucoup. C'est ça, exactement. Et le suivi d'un régime parfois de draconien, ça peut induire des problèmes psychiatriques ou psychologiques. Non, c'est pas rien. Je suis tout à fait d'accord. Après, un point important, mais vous l'avez cité, et c'est l'enjeu. Hein, cette grande adulte hein, que j'ai reconnue, parce qu'avant la rupture, avant qu'elle aille à Paris dans le centre de référence, on avait essayé de faire ce qu'on pouvait pour
pour la tenir, donc j'ai bien reconnu. Et alors, il y a l'enjeu de la transition, et tu en parlais bien, Valérie, dans ton topo. C'est une période absolument cruciale. Et j'ai l'impression, alors c'est un petit effectif, parce que Nabil Wilson, c'est pas pas la maladie de Crohn, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est des maladies absolument, enfin, c'est dans les rares des rares, hein, quand même. J'ai l'impression que ces problèmes d'échappement, ces problèmes d'observance, alors est-ce que c'est parce que les pathologies psychiatriques qui sont précoces, sous-jacentes, est-ce que sont absolument cruciales, et organiser la transition est un point essentiel. Alors c'est notre boulot, en particulier dans les maladies rares, quelle que soit la maladie rare, et dans tous les centres, tout le monde est, maintenant qu'avec les progrès, on ne meurt plus en période pédiatrique et qu'on atteint l'âge adulte, l'enjeu il est majeur, mais organiser la transition, c'est un point qui est crucial. Est-ce que vous avez cette impression, est-ce que tu as l'impression, est-ce qu'il y a dans les Wilson que j'ai essayé de te passer, il y en a beaucoup qui ont filé, qui ont échappé, est-ce que pas plus que d'autres? Si, peut-être plus que dans d'autres maladies. J'ai cette impression, ouais. Parce que comme il y a le terrain, est-ce que les patients, alors pour m'adresser à vous, peut-être dans d'autres situations, est-ce que la transition de l'adolescence vers l'âge adulte, quand il y a une pathologie psychiatrique surajoutée au truc du comportement, ou une impulsivité, ou... c'est un facteur surajouté d'échec potentiel? Non, pas forcément. Ça dépend beaucoup des troubles psychiatriques dont on parle, hein, mais non, pas forcément. Et puis en général, quand c'est des pathologies psychiatriques qui commencent tôt, c'est des pathologies un peu plus graves. Hein, donc, mais en tout cas, ça dépend de quel niveau, par cette variable-là. Est-ce qu'on a des questions qui arrivent, hein, à part celles où vous avez déjà répondu sur... On peut peut-être faire intervenir Monsieur Beauval. Monsieur Beauval. Oui. Qui a son micro d'ouvert. Ah, super. Est-ce que vous entendez Monsieur Beauval? Est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire quand est-ce qu'on pourra bénéficier du REC à Lille, hein, du cuivre libre? Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette présentation. Alors le cuivre échangeable, hein, c'est un marqueur qu'on aurait aimé vous permettre de l'utiliser beaucoup plus tôt. Hein. C'est quelque chose qu'on a en tête depuis pas mal de temps. Donc malheureusement, comme on en a déjà discuté, on est soumis à pas mal de contraintes, aussi bien sur le personnel technique que sur la technologie. Donc on a un appareil qui est aujourd'hui saturé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va en recevoir un second courant de cette année. Alors encore une fois, on n'est toujours pas informé sur la date de livraison, on est toujours en période de commande, mais on aura ce deuxième appareil qui très probablement nous donnera beaucoup plus de possibilités de développement. Et je suis allé personnellement à Lariboisière discuter avec le docteur Poupon et le docteur Oussédic de ce dosage particulier. Et voilà, donc en tout cas, les démarches sont entamées. Malheureusement, encore une fois, je ne peux pas vous donner de date, mais on y travaille vraiment. Et je ne veux pas être trop optimiste vu qu'en fait ce deuxième appareil, on en parlait déjà depuis fin de l'année dernière, fin 2021. Donc en tout cas, dès que le dosage sera disponible, on fera une communication dessus, on vous en informera. Et puis l'idée, c'est de garder un dialogue clinico-biologique sur ce genre de niche et de biomarqueurs qui sont très très intéressants. Oui, ce qui... Enfin... Moi qui ai vécu avec du recul, le suivi d'un patient, quand on peut combiner la cuprerie des 24 heures et le cuivre libre, est vachement facilité. Est-ce qu'il est observant ou pas observant? Est-ce que sa cuprerie baisse parce que je lui ai vidé ses stocks en cuivre et qu'il faut que je lève le pied sur le chélateur ou que je le switch en zinc ou en trilantine? Ou est-ce que c'est parce qu'il me dit qu'il prend son traitement mais qu'il ne prend pas? Pauvre le REC, il dit oui, non, hein, c'est assez net. Dans le diagnostic, ça nous a aidé aussi, hein, parce qu'on a les belles formes, la tête typique, mais on a aussi des trucs un peu foireux. Je peux peut-être expliquer ça parce que c'est une observation dont je me souviendrai longtemps parce que. Voilà.
Vous avez un malade qui a une pathologie psychiatrique, une neurologie atypique. Jusqu'où vous allez pour aller trouver une pathologie? Cette jeune fille qui avait une maman médecin et qui avait été externe dans le service et dont on connaissait l'anxiété naturelle, était une adolescente à problème avec un petit peu de dépression. Elle était suivie en CMP. Voilà. Et voilà qu'elle présente une ityase vésiculaire. Et donc elle passe aux urgences, aux ityases vésiculaires, trouble psychiatrique, maladie de Wilson, c'est un bon réflexe. Et il se trouve que tout était intermédiaire, la séroplasmie, la séroplasmie, normale, la rien dessus, le REC, on ne sait pas, dans les zones grises, pas d'anneau vert, ça serait trop beau, une IRM cérébrale normale, une évaluation neuro normale, et puis la mutation, on trouve un gène, on trouve une mutation, mais on ne trouve rien, on le renvoie, on fait un IGS, un machin, un exome, un truc, tout, toujours rien. Tout ça a duré, les parents poussaient pour qu'on la traite par, par des chélateurs. J'ai même fait, tu n'en as pas parlé, mais un test au trolovol. Hein, tu leur fous une dose de trolovol et tu vois si la série monte à plus de 1000, et puis le test au trolovol foireux, terminé. Enfin. Et centre de référence, Lyon, Paris, machin, truc. L'anxiété a été massive, voilà. Et on a fini par conclure, ça fait une histoire qui a duré sur des années, qu'elle était purement, elle était hétérozygote, elle n'avait aucun symptôme, l'IRM a été répétée, elle va mieux, mais on a mis un bazar dans cette famille. On a auto-entretenu, alors à l'image, mon médecin traitant, qui c'est mon mail, tout ça, ça a été une, et je me dis, on n'aurait dû rien faire, enfin bon, on n'aurait pas dû rien faire, on n'aurait dû rien faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours entre, surtout pour la maladie de Wilson, qui est une maladie exceptionnelle. Les chances que vous avez avec votre screening d'en trouver un jour. Mais voilà, faut-il le faire ou pas le faire? C'est une bonne question. Alors nous, en neurologie, c'est vrai qu'on dose beaucoup le cuivre. Déjà, sur le parkinsonien du sujet jeune, paf, cuivre. Et c'est, on trouve exceptionnel. Exceptionnel. Moi, je veux dire, j'en ai diagnostiqué un. 20 ans sur un tremblement, un battement des doigts qui était jugé anormal, un enregistrement des mouvements anormaux et il y avait un petit anneau, mais vraiment pas diagnostiqué par moi, vu par les ophtalmos. Et c'était une forme de Wilson tardif chez quelqu'un qui est entre 30 et 40 ans. Ouais. Mais c'est exceptionnel. Je ne sais pas, enfin, je veux dire, dans ta spécialité dans les maladies métaboliques, c'est pareil, tu as un symptôme qui intrigue, une association de symptômes qui intrigue, et jusqu'où on va, toi, parce que, voilà, on n'a pas que la maladie de Wilson, effectivement, parfois, ça prend des années pour faire le diagnostic. Moi, de principe, j'explique et je dis en toute honnêteté envers les familles. J'explique le comment et le pourquoi et qu'est-ce qu'on cherche, sans entrer trop dans les détails. Quand on ne trouve pas et quand on sent quand même quelque chose qui vient, quelque chose, on continue à les suivre. Quand même. Et les familles, ça rassure les familles. Et nous, comme tous les jours, il y a des nouvelles pathologies qui se rajoutent, on apprend tous les jours. Là, on vient de faire une vie identique, bon, je ne vais pas trop entrer dans le détail. Donc, ouais, c'est une petite pathologie foréale, qui est vraiment une petite crevette que j'ai eue en néonatal, qui finalement a développé, elle est retardée, elle est souriante, mais elle est quand même. C'est une mutation dans le gène YARS. Bon, bref. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. De toute façon, les connaissances, ça évolue. Et donc, moi, ma politique, c'est voilà, on ne sait pas tout. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais je continue quand même à les suivre. Et ça les met dans une certaine sécurité, rassurance. Ça n'a pas des effets délétères? Le fait de. D'avoir un peu une épée de Damoclès en disant on continue quand même. Vous avez déjà vu? Non, ça les rassure. C'est plutôt rassurant. J'ai jamais. Au contraire, j'essaie de diminuer l'anxiété en disant voilà, c'est bon, aussi de la pathologie de la clinique. Mais j'essaie quand même de les mettre en sécurité. Rien sûr.
Je pense que l'attitude clinique, quelquefois, d'arrêter les explorations et de proposer une surveillance tranquille, alors c'est ce qu'on appelle une surveillance tranquille, et quelquefois est préférable. Moi, j'adhère assez à ça. Et mon plus beau diagnostic, c'est un enfant que je suis depuis la naissance et qu'un hasard sévère, on avait demandé la vie à la planète. Et au moment de la transition, je dis, tiens, je n'avais jamais fait la puce des maladies inflammatoires précoces. Et toc, il y avait une maladie qui avait été diagnostiquée 2 ans avant, vous l'avez presque. Voilà. Et je l'ai suivi 18 ans. Et j'ai fait le diagnostic parce que je me suis dit, je veux faire propre avant de l'envoyer aux collègues d'adultes pour que le dossier. Tiens, je n'ai jamais fait la nouvelle technologie qui était sortie. Et bing. C'est ça. Tu vois. Et donc, alors après, il faut en effet avoir une adhésion de la famille. Oui. C'est vraiment un problème. Mais vous êtes allé jusque-là parce que vous aviez la certitude qu'il y avait quelque chose. Lui, il était malade. C'est aussi le sens clinique à un moment qui est dit. Il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas capable de mettre une question. Mais parfois, désolé. Oui, c'est ça. Il y a un point, là, c'était le délai diagnostique que tu as cité, Driss, mais Valérie a montré une diapo que je trouve intéressante. Le délai moyen de faire le diagnostic de Wilson, c'est 14 mois si c'est une manifestation hépatique. Et c'est 44 mois, 3 fois plus long si c'est neurologique. Pourquoi? Absolument. Pourquoi? C'est le problème du diagnostic des maladies. Oui, non, non, mais. Des maladies neurologiques. Docteur Corbeil, une réponse, mais je. Parce qu'on est meilleurs que ceux qui ont. Ouais, il y a beaucoup. Alors, le retard au diagnostic pour les maladies rares en neurologie, c'est un grand, grand problème. 44 mois, ça fait. 3 ans. Presque 4 ans. Ouais. Sur les maladies rares, on a des retards diagnostiques qui sont de 2 à 3 ans, donc des formes un peu atypiques ou des syndromes comme l'atrophie multisystème, des choses comme ça. En neurologie, malheureusement, on constate souvent un retard, une errance. Diagnostique. La raison, enfin, moi je vois 2 raisons possibles. Le premier, c'est que les signes sont tellement atypiques, tellement trucs, et que la maladie rare là-dedans étant tellement, vous verrez un jour un Wilson sur des milliers de schizophrénie. La deuxième, c'est une question de culture, entre guillemets. Enfin, je veux dire, en hépato, les transats élevés qu'on ne comprend pas, c'est un Wilson. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est, même si, tu vois, en pédiatrie, si on a un malade qui a 2 symptômes inhabituels, c'est une maladie métabolique. C'est des trucs. Quoi. Alors que la culture, dans la culture, j'imagine, les AVC, les démences, c'est, je veux dire, dans le nombre des pathologies. C'est quelque chose qu'on apprend avec la culture des maladies rares. Et par l'initiative des maladies rares est partie majoritairement de la pédiatrie, les maladies. Peu à peu. Avec l'amélioration des pratiques, des connaissances, des traitements qui ont permis, on se rend compte qu'il y a une acculturation aussi qui est encore en cours dans certains domaines. Et que je ne sais pas, est-ce qu'un neurologue de ville, c'est vraiment une question. C'est vraiment une question. Est-ce qu'il va y penser? Oui, ça fait aussi partie. D'accord. Et un psychiatre? En ville, je ne pense pas que ça soit dans. Enfin, tellement. La situation de dépression, c'est légion, c'est-à-dire qu'on fait toute la journée. Donc, je ne pense pas. C'est après, quand il y a des résistances au traitement, que là, on va pousser le bilan, plus dans un point de vue hospitalier. C'est effectivement quelque chose qui prend du temps. Donc, il y a plus de 10 ans, on avait instauré avec le professeur de Vos, David de Vos, des consultations neurométaboliques adultes. On fait encore toujours et on en trouve. Donc, on commence à faire des diagnostics. C'est pareil, on fait des consultations médicales pédiatriques. Avant, c'était avec M. Cuisset, maintenant, c'est avec Mignolet. Et ça marche, on trouve. Je me souviens de vieux papiers où j'étais allé dans des centres pour enfants avec polyhandicap, puis ils avaient fait un screening métabolique, puis il y en avait 10%. Qui était là parce qu'il y a, ça peut être anténatal, génétique, malformatif, accidentel, etc. Et je me souviens de ces papiers-là où on avait pris tous les enfants d'un centre pour les handicapés, prof, on les avait fait une homonymie, une glycémie, un screening, et on avait, pas trouvé 200, mais
Je pense qu'il y a, aussi, voilà, il y a une culture que, enfin, de façon très modeste, le dialogue entre les spécialités d'enfants, d'adultes, psychiatriques, neuro, gastro, enfin, là c'est la thématique ce soir, mais sont des choses qui finalement, on y gagne. Enfin, moi, j'ai bien vu quand on. Là, le centre de compétences de maladies de Wilson. Au départ, quand ça s'est créé, ces maladies rares, moi je suis malade, je ne savais même pas que tu en suivais, je ne savais pas qui suivait chez les adultes, je ne savais même pas si on avait, parce que tu envoyais 3-4 ici, 3-4 là. Et le fait de nous obliger, de nous inciter à nous mettre ensemble, il y a des passerelles, on fait mieux d'ailleurs la condition de ces patients, ça se passe de façon naturelle quand on se connaît, c'est beaucoup plus compliqué quand on n'est pas dans le même site. Donc je pense qu'il y a encore quelque chose. Et que peut-être ce délai de 44 mois, il pourra petit à petit. À la fois le délai, la sensibilité au dépistage et à la fois l'accès à des traitements plus invasifs. On a vécu ensemble des greffes. Le jeune garçon qui a un bon résultat, une autre patiente qui a été greffée pour cause hépatique et qui a eu aussi une amélioration. Et ça, c'est important. Enfin, ça, c'est des belles victoires. Mmh. Même si parfois, c'est des victoires transitoires. C'est agréable de voir aussi des patients aller. Ok, je pense qu'on est à peu près à l'heure. Est-ce que les uns les autres, vous avez un nom de synthèse ou de conclusion qu'on pourrait dire là-dessus, hein? Je pense qu'on a quand même abordé l'intérêt de cet aspect transdisciplinaire. Je trouvais intéressant, hein, c'était votre idée, et puis c'était en se réunissant avec Valérie et Caroline qu'on s'était dit un regard croisé. Et je trouve que ces regards croisés-là, sont riches. Alors, Maddie Wilson, c'est l'archétype, puisqu'elle a ces deux polarités pathologiques et neurologiques, mais c'est encore plus divers dans toutes les autres maladies héréditaires du métabolisme, et que je trouve que ces regards croisés, ces manières de voir, sont très riches, en tout cas. Voilà, donc je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir fait des topos si clairs, si didactiques, parfaitement dans les temps, et puis cette belle discussion tous ensemble. Voilà, je pense qu'on est il poil dans les temps à Marie-Laure, 18h20. Donc, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée, espérant que ce webinaire ait répondu à quelques-unes de vos questions. Qu'est-ce qu'il faut dire? Merci de votre participation. Vous pouvez contacter Flemara, bien entendu, un peu de pub. N'hésitez pas pour tout contact, toutes informations sur votre maladie rare, sur une maladie rare, sur les ressources bibliographiques, les réseaux qui existent, les centres de compétences, de référence. Le système est riche mais complexe, et donc Flemara peut vous aider à vous dépatouiller. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.